pote c'est une pute, mais mon pote je le couds. Je fais semblant de fermer les yeux, mais je sais qu'il me double. Chasse le naturel, il revient en courant. Prendre la défense de son pote, c'est nager à contre-courant. Je m'explique, on a grandi ensemble, je peux pas être plus objectif. T'es une pince, t'es une raclure, rien de constructif. Et j'ai fermé les yeux. Ça vous rase, mon boy Carman, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Ouais, tranquille. Hein. Pas mal de choses, hein. Comme j'ai dit, on a. En fait, moi, j'ai, de mon côté, j'avais développé un petit concept en fait avec quatre artistes du 9-5 qu'on pourra retrouver dans la compile. Donc, voilà, j'étais sur ça. La compile 95 aussi, qui est toujours d'actualité. Hein. Faut pas. Il y en a beaucoup qui me posent des questions parce que normalement, c'était prévu pour septembre, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et une mixtape qui s'appelle À mon niveau aussi, que j'ai bossé, qui est terminé, qui est entre les mains de DJ Lordissa. Et mon album aussi qui est prévu pour normalement début 2015. On n'a pas été plus loin dans le sens où on avait enregistré 4 titres. On a enregistré 4 titres, à mon sens de très bons titres. On en a mis 2 en vidéo sur les 4, donc Sunshine. Et puis le Cypher. Mais après, t'as vu, c'est toujours compliqué de s'unir. Tu vois, même par rapport au projet 95, quand on en parlera tout à l'heure, ben c'est un peu le petit bémol que j'ai constaté, c'est que c'est difficile de faire cohabiter des gens. Donc voilà, j'ai pris du plaisir à enregistrer les man. Humainement. C'est des mecs, y a rien à dire en vrai, tu vois. Mais après, c'est juste le côté égo, le côté musique, tu vois. Quand ça s'entrechoque, tu vois, c'est là où ça fait un peu des problèmes, tu vois. Mais bon, tranquille. Ici, on multiplie les billets comme on multiplie les pains. Ah, je multiplie les haines, ça ne me fait plus rien. Moi, t'as vu, en 2009, j'avais fait le volume 1. Et quand t'es en mode indépendant, Il y a que toi et toi-même, t'as vu. Il n'y a personne qui peut t'empêcher d'avancer, quoi, tu vois, comme tu l'entends. Maintenant, là, pour le deuxième volume, moi, j'ai voulu m'entourer des meilleurs, j'ai voulu que le secteur A, j'ai voulu que le ministère Hammer, j'ai voulu que Passy soit présent et valide le projet et s'investisse dans le projet, ce qui a été fait, tu vois, et ce qui est très rare, d'ailleurs, de la part des anciens, tu vois. Donc ça, c'est aussi un big up que je fais à Passy, c'est que voilà, moi il y a plein de d'anciens qui auraient pas fait ce que lui a fait, tu vois. Donc voilà, maintenant on a bossé le truc ensemble, mais on se retrouve confronté à l'industrie aussi de la musique, tu vois. C'est que le projet, nous, on veut l'amener loin, on veut le développer, on veut aller un peu plus loin dans le développement du projet pour qu'il ait un meilleur impact, un plus gros impact. Sauf que par exemple, hein, ce que certains distributeurs m'ont fait comprendre, c'est que fallait que le projet fasse du buzz et un buzz, tu vois, ce fameux buzz dont tous les artistes courent après pour pouvoir les intéresser. Maintenant, voilà, c'est un gros projet, donc ça prend un peu de temps. On veut faire les choses carrées, on veut faire les choses bien, donc ça prend un peu de temps. Mais que les gens ne s'inquiètent pas, quoi qu'il arrive, le projet, il va sortir. C'est un projet qui est censé représenter le département, qui est censé unir le département. Mais on sent quand même que c'est pas quelque chose qui est dans les gènes du 9-5. Tu vois? Dans d'autres départements, tu vois, c'est clair et net. Il n'y a rien à dire. 9-3, 9-1, tu vois, les artistes, ils sont entre eux, ils se checkent entre eux. Quoi qu'il arrive, quand il y a un truc qui se passe, c'est tout le département qui réagit. Et c'est déjà ça. Tu vois, c'est comme on prend la comparaison un peu avec les États-Unis. Les États-Unis, les artistes, même indépendants, ils n'ont pas besoin d'être connus dans tous les États-Unis. Juste leur département, mais leur État, tu vois. Et même leur ville, même d'ailleurs. Juste leur ville, et leur ville, c'est un département français. Donc c'est un peu ça le problème. C'est que dans le 9-5, on n'est pas unis, on n'est pas solidaires. Après, je ne suis pas défaitiste ou je suis pas négatif. C'est juste que, voilà, c'est. Il faut réapprendre à s'aider, à s'entraider, à se motiver, à se booster,
à investir aussi dans le 9-5, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que les artistes du 9-5, ils vont dans les studios dans le 9-3, dans le 9-1, dans le machin, alors qu'il y a des studios dans le 9-5, tu vois. Il y a plein de, voilà, c'est un tout, le projet, normalement, il doit buzzer de lui-même, t'as vu. Tu vois, quand c'est un truc du 9-5, normalement, il doit buzzer de lui-même. Même si moi, à la base, je suis contre le mot buzz, moi, je suis pas, je cherche pas à buzzer, parce que pour moi, buzzer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 3 mois, on n'entend plus parler de toi, tu vois. Or que moi, c'est des projets sur le long terme, c'est des marques de fabrique, c'est des... Voilà, donc 95 Valdostug, le projet mixé, masterisé, il est dans le coffre, les visuels sont prêts, on attend juste, nous de notre côté, en tout cas avec Passion, on attend juste de notre côté de meilleures offres, des distribs, voire des maisons de disques. Et elles viendront quoi qu'il arrive. Je viens du 9-5 et ils le savent. Je serai déjà très loin quand tous ces fils de mytho ne feront qu'envoyer leur première salve. J'ai dû en faire un en 2012 et un autre en 2013, si je dis pas de conneries. Et là, en fait, voilà, moi je suis producteur, mais je suis aussi artiste. Donc, et avant tout, même artiste. Et le truc, c'est que bon, comme j'ai senti un peu. Au niveau de la compile, ça allait être un peu plus long que prévu, donc je me suis dit bon voilà, je me lance dans la mixtape, sachant que avant ça j'avais déjà entamé l'enregistrement de mon prochain album. Mais un album, ça se construit pas comme une mixtape. La mixtape là, à mon niveau, je l'ai faite en une semaine avec mon nouvel ingé, hein, Dimesh. Donc lui-même pourra vous confirmer, en une semaine on a taffé ça. Avec Hannibal Carter aussi qui fait les vidéos. En 3 jours, on a fait les 9 vidéos. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été très très vite, très spontané, très musical, très... Voilà, ça doit sortir mi-septembre. Hein, c'est une mixtape qui sera mixée par DJ Lordissa. DJ de Trace, Neg Marron. DJ Lordissa, c'est aussi... même s'il n'est pas... Enfin, je suppose qu'il n'est pas du 9-5, mais pour moi, c'est un mec du 9-5, parce que c'est lui qui est derrière... le ministère Hammer, celui qui est derrière les Neg Marron. Donc voilà, pour moi, c'est la famille quand même, tu vois. J'étais dans la continuité de 95 Valdostug, donc tout naturellement, dans mes recherches, tout ça, c'était lui que je voulais. Renoir, je fais du sale, me compare pas avec ces MC embryons, comme Dalida, je suis MC champion. Hannibal, je lui ai dit, mec, j'ai un truc à te proposer, voilà. J'ai la mixtape qui est là, elle est enregistrée, est-ce que t'es chaud? On clip, on clip, on clip, on clip. J'ai dit, je veux que ça aille vite, faut que ça aille vite. Et puis moi, je devais aussi aller en vacances. Il me dit, mec, je suis ton gars, il n'y a pas de problème, on y va. Donc on est parti 3 jours. J'avais mon sac avec mes fringues et tout. On a charbonné, on a charbonné, on a charbonné. Et puis comme je voulais aussi préparer le terrain par rapport à l'album, donner de l'actu aussi à la BS Team, à la BS Family qui me suit aussi sur les réseaux sociaux, tout ça. Tous les vendredis, on peut retrouver une vidéo. Et donc là, effectivement, depuis 3 semaines, un peu moins de 3 semaines, on a sorti le premier extrait qui était El Angel. On a tourné au No Game Store du frérot Aluno. D'ailleurs, je lui passe une grosse dédicace. Et je lui envoie aussi pas mal de force parce qu'il lui était arrivé une petite galère dernièrement. Et puis on a sorti aussi le deuxième, c'était Bigger Than Me. J'ai complètement pété un câble sur la prod et le couplet et le clip de Game. Donc je me suis dit, il faut que je le refasse. Donc voilà, on l'a fait tout ça. Et puis le dernier, c'était le remix de Schoolboy Q, Yeah Yeah. Voilà, en mode Gova, en mode la night, en mode un peu fou, un peu, tu vois. Donc voilà, il y aura différentes ambiances en fait dans les vidéos, différents délires, différents concepts. Puis voilà, on espère que ça va plaire un peu aux gens. Et je le redis aussi pour ceux qui négligent un peu le projet ou autre, dans le sens que les vues, c'est bien, mais ça reflète pas ton talent ou l'énergie que tu as mis dedans, ou la qualité qu'il y a dedans. Parce que les vues, on les achète aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc là, les vidéos, elles sont à peu près à 800, 700 et quelques vues, tu vois. Mais frère, moi, tant que les gens consomment
moi ça me va, tu vois. Il y a beaucoup de gens aussi sur les réseaux, ils cliquent pas forcément, ils retweetent pas forcément, ils likent pas forcément, mais ils ont vu, c'est rentré, ils sont au courant. Et moi c'est tout ce que je cherche. Les vues c'est bien, ok, c'est un indicateur les vues pour les maisons de disques. Moi je cherche pas à aller en maison de disques, tu vois ce que je veux dire. Moi mon intérêt c'est que les produits s'achètent, que les produits tournent dans différentes villes françaises, dans différentes parties aussi du monde, parce qu'il y a des gens aussi avec l'avènement d'internet qui fait que tu peux être écouté et regardé partout, hein. Donc c'est ça moi qui m'intéresse. Donc voilà, le projet il va être très 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 lourd sans aucun doute, et j'invite tout le monde vraiment à aller checker les vidéos. Et puis mi-septembre, quand il sera disponible, il sera normalement sur deux plateformes de téléchargement. Donc la première c'est hauteculture.com. Donc c'est une plateforme qui commence un peu à monter. Et il y a aussi une nouvelle plateforme de mixtape française et qui en rit aussi, qui s'appelle Cashback Mafia. Donc c'est un pote à moi de Bordeaux, Falgas, qui est derrière le projet, le concept. Donc on booste, faites-vous plaisir, c'est téléchargement gratuit. Allez-y récupérer ça. SLR, on touche à tout ce qui se vend. Junkie anonyme, tu touches à tout ce qui se prend. 14 titres. Il y a une petite surprise, vous allez voir. Une petite surprise. Mais par contre, il y a un bonus qui est sur une face A, en fait. Une prod originale de mon gars. Il est très, 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 très chaud. Il s'appelle Mad Squad. Donc, c'est lui qui avait fait Doggin' Les Tous, la première version. Parce qu'il y a un remix dans l'album Young CEO. Et voilà, c'est la seule face A qu'il y a dans le projet. Je me suis dit, bon voilà, on va essayer d'envoyer aussi un inédit. Comme ça, ce ne sera pas que des faces B. Je vais emmener les gens tout doucement aussi vers l'album. Donc voilà, le titre, pour information, il s'appelle Scarface. Donc, faut aller écouter ça, c'est un très très gros titre aussi. OG dans les veines depuis le bac à sable. Ici, on s'espère, on passera pas à table. À la base, j'étais pas parti pour inviter des gens. Mais après, ça s'est fait voilà, tout seul. J'ai toujours mon gars qui fait du reggae dancehall, Kalinas, qui passe souvent au studio. Donc je lui ai dit, vas-y, viens, fais-moi un refrain, pose un truc, tu vois. Il y a Farallo aussi qui est dessus. Farallo qui est un artiste BS. On prend le temps tranquillement de développer. Si tout va bien aussi en septembre, on va envoyer son premier titre. C'est vraiment son premier titre. Tu peux taper son blast sur internet, il n'y a rien. C'est son premier titre vraiment. Qu'elle a enregistré. Et puis il y a un petit frelon aussi de Nantes qui s'appelle Eagle aussi, que j'ai pas mal boosté et que je booste aussi, qui est dessus. Il y a mon gars sur NS Rage de Fosse, voilà, qui faisait partie des quatre artistes, qui sera aussi dessus. Si je dis pas de bêtises, c'est tout. BS Boys Music, c'est la maison mère. Si t'es pas content, Renoir, tu niques ton père. Passe une grosse dédicace à Jamel, en fait, de la marque, le gérant de la marque Keeping Fight. Et en fait, Jamel, on s'est capté lors de la dernière édition du Gala de K1 qui se passe tous les ans à Goussainville. Donc il est partenaire, tout comme nous, en fait, parce que BS Boys Music aussi, on est partenaire du Gala de K1. Et donc, naturellement, c'est un gars du 9-5, tu vois. Comme je te dis, je suis vraiment dans la démarche 9-5. On s'est capté, le feeling, il est passé, il est venu au stud, il a vu les infrastructures, tout ça. On lui a parlé du projet et ça lui a parlé, tu vois. Il aime bien ma musique, il m'aime bien aussi, tu vois. Donc il m'a dit, voilà, Herman, tiens, j'ai des modèles. Là, les casquettes, là, je suis quasiment le seul à l'avoir. Je suis quasiment le seul à l'avoir. Elles sont même pas encore sur son shop. Donc voilà, il sponsorise la mixtape, Keeping Fight. C'est un mec, il est comme ça. Il est vraiment comme ça. Et puis, je lui souhaite vraiment beaucoup de réussite pour sa marque. Négro est fier, le corps cicatrisé. On a changé les règles, c'est eux qui sont visés. On a tout dit, hein, rien de plus. Hein, juste que voilà, c'est vraiment un truc spontané qui est fait pour les kiffeurs de son, pour les mecs qui me suivent depuis longtemps, pour ceux qui me prennent aussi en route. C'est vraiment, tenez, consommer, c'est du rapide, mettez ça dans les voitures, dans les téléphones. Consommez, voilà. Rendez-vous tous les vendredis pour avoir un nouvel extrait qu'on aura mis en image avec mon gars Hannibal Carter, Shark Entertainment. Lui aussi, c'est un mec du 9-5. Il est en train de monter et bientôt, vous irez vers lui demander des petits.
soyez-en sûr. Je big up mon 9-5 et tous ces tiens. À mon niveau, je viens leur clouer le bec. J'ai pas besoin en fait d'avoir un artiste attitré, hein, validé, tamponné BS pour travailler. Tu vois, je peux travailler avec n'importe qui, n'importe quand. Donc voilà, en gros, ça m'empêche pas de travailler. Et la structure de BS aujourd'hui, c'est RMA2N, Farallo et Jackis. Voilà. Et mon négro Dimesh, et mon négro Rico aussi, je lui passe une grosse dédicace. Je passe aussi une grosse dédicace à Big Kai's Dog, à Dibo, à Jordan, bref, à tous les anciens, à tonton Sylvestre aussi. Voilà, on est là, on est ensemble. Cliquez, cliquez, le son doit peser. Dimesh, c'est l'ingé, je suis lourd à la peser. N'oubliez pas, le 22 septembre, il y a le gros concert du Minister Hammer. Donc voilà, étant du 9-5, je me dois d'en parler, c'est très important. Il y a aussi l'album de Lino, il y a plusieurs extraits de Lino aussi qui sont sortis, c'est 9-5. Il y a mon gars aussi, Tequila, qui prépare aussi son projet. Il y a les frérots de Dos, Garz aussi, qui préparent leur projet. Grosse dédicace et force aussi à San, qui est incarcéré, sans bastos aussi. Force à vous les frères. On est là, c'est que de la musique, donc moi j'essaye de bosser mes affaires. Calmement. Venez pas casser les couilles, parce que ça se passera différemment. Force aussi à mon négro Gucci du 9-1, avec sa série de sang forcé aussi. Il y a mon frérot aussi, DJ Posca, j'oublie pas, Zoxy, Bustaflex, MASS, A2H, mon grand frère Driver aussi, et puis un autre Driver aussi, un autre frérot aussi qui est décédé, Driver. Force aussi à Kies des Bosquets. Donc voilà, je ne vais pas citer tout le monde, mais ça fait partie des gens que je suis ou que pour certains je fréquente. Et c'est important aussi, comme je disais, d'envoyer la force. Parce que les gens ils pensent trop que parce qu'on fait la même chose, il y a des conflits. Il y a des conflits, soit des conflits ou des conflits d'intérêts. Moi perso, je ne suis pas dans ce cas-là. Ceux qui réussissent, très bien pour eux. Force à vous, continuez. Maintenant, moi ça ne m'empêche pas de donner la force et de dédicacer aussi les frères. Donc voilà, on est ensemble, à mon niveau, volume 3, ça arrive normalement mi-septembre. Force à DJ Lord dit ça aussi, gros big up à lui, c'est un vrai refrain. Et puis prenez soin de vous, portez-vous bien, je reviendrai bientôt devant la caméra de Camorap. Big up aussi à Camorap, je vous le dis. Non, je reviens, j'ai pas terminé, il faut que je dise encore un truc très important que les gens voient sur mes statuts Facebook, c'est que en ce moment, il y a une tendance chelou au niveau des médias. Ils font du people, ils te parlent de clash, ils te parlent d'un tweet, ils te parlent d'un... Je sais pas. Eh les frères, si un jour vous avez pris la peine de prendre, d'acheter ou de voler une caméra pour devenir ou essayer de devenir un média hip-hop, rap, R&B, dancehall, tout ce que vous voulez, respectez-vous. Respectez-vous, il y a mieux à faire que ce que vous faites. Il y a mieux à faire. Et moi, c'est pour ça que je big up Camorap. Et aussi, je ne sais pas si on a le droit, mais je vais quand même le faire. Je vais dédicacer aussi Basket Blanche. Parce que ce sont des sites qui restent dans la culture et dans la musique hip-hop. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher un pseudo-clash à gauche, à droite pour faire des vues et des visites. Et là, on en revient à ça. Et moi, je trouve que c'est très important parce que t'as différents sites, t'as plusieurs sites même, ils parlent quasiment que un quart de leur rubrique, c'est du rap, c'est de la musique, le reste c'est autre chose. Mais ne vous considérez pas comme des médias rap. Voilà, moi c'est ça que je voulais dire, force et longue vie à ces deux médias que je viens de citer. Il y en a peut-être d'autres aussi dans ce cas-là que j'ai oublié, mais force à ceux qui respectent cette musique. Voilà, c'est tout. Big up à vous, force, et on se voit plus tard. Ciao. J'ai fermé les yeux pensant qu'on était soudés. J'ai vu mais je voulais pas le croire que t'aurais pu me dessouder. L'amitié dans le ghetto, c'est juste une part de gâteau. Quand j'enchaînais les meufs, toi tu enchaînais les râteaux. La réussite des uns est le reflet de leur défaite. Il faut trouver un coupable, que quelqu'un porte leur casquette. Flex ta pour la jaquette.